réception de Yohan Mikou. On va la retrouver sur ce service de bas. Cette fois, c'est le bon ballon, le bon but, 4-0. Et chose amusante, c'est le 6e but de Yohan Mikou cette saison à Bordeaux. Et le 6e hors de la surface. Écoutez le maire. Une action qui va partir de Benarbia. Une reprise acrobatique de Laslan et une tête à nous portant de Sylvain Wiltord pour le 1-0, marqué en premier dans ce genre de rencontre. C'est très important, le bon Girondin le sait bien, mais Elibo et son staff ne savent pas encore qu'ils vont réussir quelque chose d'exceptionnel. 3 minutes seulement après ce premier but, Mikou s'enfonce dans la défense marseillaise, étonnamment amorphe, et s'en va battre de près Stéphane Corato, 2-0. Ce n'est pas terminé, les Marseillais sont asphyxiés, sont incapables de réagir. Superbe action collective, Mikou pour Wiltord, centre de Wiltord, reprise de Laslan qui marque son 14e but de la saison. Puis en fin de match, à 4 minutes de la fin, un tacle glissé de François Grenet, vous allez voir, un centre pour la tête de Lilian Laslan, 2e but de l'attaquant international, qui rejoint David Trezeguet en tête du classement des buteurs avec 9 buts, et surtout qui donne une victoire précieuse à Bordeaux, qui confirme son retour en forme.